Bonjour à tous mes chers internautes. Pourquoi la paix? La guerre, c'est parce que vous désiriez. À un moment donné, on a eu l'impression que tout ce que vous désiriez, c'était la guerre pour résoudre vos problèmes de crise économique. À un moment donné, aussi, on a envie de vous dire la paix hors de question, bien sûr. Bien sûr, hors de question qu'il y ait la paix si vous assassinez les symboles de la paix. Donc je vous laisse à méditer. Méditer là-dessus, pourquoi vous assassinez les symboles de la paix surtout. Que vous êtes quand même des homo sapiens et que, en l'occurrence, cette race est définie comme étant une vile race maudite par le Seigneur, je ne peux pas vous souhaiter de bonheur. Je vous souhaite d'apprendre des leçons de vos erreurs. Ce que je vous souhaite. Des leçons, c'est une bonne leçon, c'est-à-dire un châtiment. C'est tout ce qui vous est nécessaire. Allumez la télévision et regardez l'impureté morale qui figure. Allumez votre téléphone portable et regardez l'impureté morale qui figure sur la toile. Un smartphone. Prétendez croire en Dieu et atterrissez à l'hôpital psychiatrique. Donc, la paix n'est il est hors de question de faire la paix. Il n'en revient qu'à moi de faire la paix. Si je prends la décision qu'il y ait la paix, il y aura la paix. Je ne prends pas cette décision. Parce que c'est hors de question qu'il y ait la paix. Écoutez, les homo sapiens nous ont attaqués pour une histoire d'amour. Bien d'accord. Si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Si on est d'accord, on est d'accord. Donc, attaquer pour une histoire d'amour, c'est moche. C'est une vile race maudite comme l'a dit Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Mais nous trouvons dans certains textes bibliques d'autres approuvances que ce peuple maudit. Donc un peuple maudit pour un peuple maudit, non. Un peuple béni pour un peuple maudit. C'est ce que vous a donné le Père Céleste. Et je vous souhaite d'en prendre soin. Avec vous. Non. Non. Nous ne pouvons pas laisser faire. Il est hors de question qu'il y ait la paix. Qui mérite la paix? Qui? Dites-moi qui? Même un enfant. Un enfant né au monde de parents homo sapiens. Déjà, ses parents sont homo sapiens, ils se reproduisent pour les intérêts pécuniaires. Ils se reproduisent pour les intérêts pécuniaires. C'est pour les intérêts pécuniaires. Il n'y aura pas de paix pour l'homo sapiens. Oui. C'est hors de question.
seront en 2024, lorsque la quatrième guerre mondiale éclatera. C'est la promesse des Homo sapiens, c'est vous qui l'avez promis. Vous avez promis qu'en 2024, il y aura la guerre. Donc en 2024, il y aura la guerre. Mais est-ce qu'elle est finie, cette guerre? Non. Nous avons détruit l'âge. Mais pas la nébuleuse terroriste. Et c'est bien fait. La nébuleuse terroriste est toujours là. Al-Qaïda fait toujours des appels à la défense des territoires musulmans. Et c'est bien fait pour vous, parce que le livre de Deutéronome précise bien qu'un prophète émergera et que de ce prophète viendrait la parole dans sa bouche, la parole de Dieu dans sa bouche. Donc vous l'avez bien fait. La guerre sainte. La guerre sainte qui n'est pas celle du Seigneur, non, c'est la vôtre, c'est celle de l'Homo sapiens. Et c'est bien fait pour vous.